Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis médium et j'ai écrit le livre « Choisis les pierres de ta vie » en édition chez Très Daniel. Avant tout, je suis médium et je suis une âme d'artiste et ça c'est hyper important pour moi parce que à travers ma médiumnité, je vais vers différents courants qui me plaisent et qui m'attirent tout simplement. Donc la création est quelque chose d'important dans mon univers. Le livre, comme tu auras pu le deviner dans le titre, ça parle des pierres, mais moi j'aime bien appeler ça des cailloux magiques. Donc ça parle surtout de ma propre vision que j'ai un peu des cailloux magiques, de comment les utiliser, et il y a plein de petites astuces également dedans. Alors une pierre, ça peut t'apporter énormément de choses en fonction de ce que tu as besoin, tout simplement. Ça peut t'apporter un accompagnement personnel si tu as besoin dans certaines périodes de transition, un accompagnement spirituel également. C'est vraiment divers et varié en fonction de ce que tu ressens et ce que tu as besoin dans certains moments de ta vie. Une pierre qui peut très bien nous accompagner dans la période hivernale dans laquelle nous sommes et dans laquelle sort le livre, ça va être la citrine. La citrine, c'est vraiment la pierre qui t'accompagne dans l'hiver parce qu'elle te ramène du soleil, de la chaleur. C'est vraiment une pierre très simple d'utilisation, très douce et franchement, elle est hyper cool. Donc ça va être la première qui va m'arriver en tête pour l'ouverture de ce livre. Et puis, c'est une très très belle pierre aussi. Alors du coup, dans ce petit livre, tu vas avoir énormément de choses sur les cailloux magiques, sur les pierres de ta vie. Tu vas avoir accès à différents chapitres qui vont pouvoir t'accompagner dans différentes étapes de ta vie. Il y aura les enfants, il y a plusieurs choses qui sont abordées, ça c'est hyper cool. Tu as également par rapport à ton signe astrologique et aussi par rapport au mois, si t'es pas astro ou autre. Donc il y en a vraiment pour tout le monde à l'intérieur, ça c'est hyper cool. Et faut pas oublier que c'est très simple aussi. J'ai essayé de faire quelque chose de simple d'utilisation et de compréhension. Et bien sûr avec de l'humour, ce qui est très important. Voilà. Alors du coup, ce petit livre, il est vraiment pour tout le monde. Si tu aimes la lithothérapie de base, si tu aimes l'humour, il sera fait pour toi aussi. Il est fait pour les enfants, il va vraiment sur plusieurs thématiques. Donc en soi, c'est pour moi un des livres qui pourrait t'accompagner dans la compréhension des cailloux, de ce que ça peut t'apporter en réel dans ta vie, et aussi surtout leur magie, parce que la magie dans la vie, c'est très important.